Une nuit réparatrice, une nuit réparatrice pour nous, mais aussi pour nos montures. XEC, C40. Aujourd'hui, dans cet épisode, c'est l'épisode du C40. Elles sont chargées à 100%. Ouais. On va aller en Scandinavie, nouvelle destination. On va faire encore pas mal de kilomètres. Tu vas voir, c'est super viking, là où je t'emmène. Deuxième épisode de notre trip, on est parti. Des kilomètres, les petits gars, vous allez voir comment on en fait. Plus d'inquiétude. Hey, du lichen, des pierres. Si c'est pas la Suède, ça y ressemble beaucoup. Pour tous ceux qui, ceux qui vivent autour ont reconnu, pour ceux qui en revanche ne vivent pas autour, c'est la forêt de Brocéliande. On a ramené un peu de Suède en France. Un petit peu de fleurs, c'est pour me faire pardonner. Merci. Pour tout vous dire, on s'est engueulé. c'est pas grave. S'il n'y a pas d'engueulade, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Deuxième épisode, Volvo C40. Volvo C40, c'est quoi? C'est simple, c'est la petite sœur, grande sœur, cousine, je sais pas comment tu veux le dire, du XC40. Exactement la même base, exactement la même réussite, mais par contre, une carrosserie coupée qui lui va plutôt bien. Et qui est très dessinée et qui est assez inattendue en fait, ouais, pour Volvo, parce que généralement, tu sais, ils n'aiment pas les sculptures, aller trop loin. Et alors là, je vais pas vous aider. Je ne saurais absolument pas laquelle prendre. Je vais vous expliquer avant fiche. Ah oui, oui, fais la petite fiche, professeur Marty. Vous avez devant vous le modèle Recharge Extended Range. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une grosse autonomie. Donc comme la XC40, c'est une des meilleures autonomies du marché. Vous avez jusqu'à 580 km d'autonomie. Je crois que c'est 10 km de plus que la C40. Grâce à l'aérodynamisme. Ouais, c'est mieux, c'est pas ce qui va te changer la vie non plus. Par contre, elle emmène quand même 252 chevaux. C'est une propulsion, donc c'est une très bonne motorisation. Vous avez aussi la recharge jusqu'à 200 kW. Ça, mine de rien, nous, on vient de se taper un road trip. Je peux te dire que quand vous avez la recharge jusqu'à 200 kW qui vous permet de faire le 10% à 80% en 27 minutes... On était contents. C'est pas un détail technique. Ah, vous êtes plutôt... Ça nous a rassuré tout le trajet. Et plutôt content. Et puis là, on va repartir pour 500 km, ouais, avec d'ailleurs les deux modèles. Retour Paris. Oui. On va refaire nos petites étapes, vous verrez. Pour faire 1000 km au total. Donc là, c'est une voiture qui démarre à 53 000 €. Et après, comme sa petite sœur ou grande sœur, cousine, je ne sais pas comment on doit dire, à côté, vous avez le modèle, comme là, c'est une Twin. Donc Twin, ça veut dire 4 transmissions intégrales et 408 chevaux. On y va sur nos petits points? Ouais, les petits points. Bon, alors comment ne pas commencer, évidemment, par le dessin des feux. Le côté évidemment très fastback, ouais, derrière, parce qu'au fond c'est un SUV coupé. Et ce qui impressionne en fait, c'est ça. Pour la première fois, les designers Volvo, ouais, tu sais, tout à coup on a dû leur libérer les stylos. Ouais. On a dû leur dire allez-y, lâchez-vous. Ils font un truc un peu inhabituel. Et ils sont grave lâchés, il y a plusieurs traits, il y a des superpositions, ça va très loin, il y a pour la première fois aussi certains angles. Et tu te dis, elle est presque ultra moderne. Enfin, il y a un côté... quand tu la vois, d'ailleurs, si tu isoles certains traits caractéristiques, on peut y voir une Honda, d'autres pourraient y voir quelque chose de chez Kia. Enfin, il y a un truc qui se passe. Et alors, le raffinement Volvo est toujours là, puisque dans le feu stop, tu vois qu'il balaie tout ici, c'est quand même assez chouette. Après, pour les coloris... C'est des coloris, c'est drôle. C'est quoi comme coloris que tu as, toi? C'est une sorte de gris bleu. Là, tu me poses une colle, je n'ai pas le nom précis. Ouais, moi, j'avais un Versauge, je crois. Mais c'est... Alors, si, une digression. Le Versauge, il est magnifique. Ouais. C'est des coloris légèrement pastels. Ouais. Et qui sont apparus, qui sont devenus à la mode il y a, 2 ans tout au plus, ouais, surtout l'année dernière, en fait. Et là, c'est un déboulement. Tu le vois beaucoup. Tu vois beaucoup ces teintes de vert de gris, en fait. Ouais. Chez d'autres constructeurs, et Volvo, ça lui va bien. Je pense que Volvo, c'est celui à qui ça va le mieux. Exactement. En fait, ça va avec l'ambiance scandinave un peu zen et purée. Et puis, alors, c'est marrant parce que c'est des coloris, en fait, ça se joue à une teinte près. Tu as une teinte et ça peut paraître pas terrible, et une teinte, hop, ça devient rayonnant. Vraiment, regardez ça. C'est marrant. Alors là, on va me reprocher de pas mouiller, mais je ne saurais même pas te dire laquelle je préfère en termes de voiture, mais même en termes de couleur. Alors, y a une différence quand même notable, Vincent. Oui. Je préfère mes jantes peut-être, mes jantes sont un peu différentes. Les jantes sont différentes, ok, ouais, mais c'est vrai que le côté fastback et tout ça. Mais en fait, il y a quand même un truc important, c'est les toits. Oui. Celui-ci est vitré, mais il n'est pas ouvrant. Il est panoramique. Et ça,
ça peut faire la bascule. Alors, tu vois, pour le coup, alors un, ça peut faire la bascule. Deux, pour le coup, c'est plutôt celle-là qui est une anomalie. C'est rare de voir sur les voitures 100% électriques des toits ouvrants, parce que pour une question de poids, pour une question d'aérodynamisme, etc. Les points, on s'est auto-fait nos points, en fait. Moi, je voudrais juste dire un petit truc que j'aime bien à l'arrière, en fait, pour que vous vous rendiez compte. Je trouve, alors c'est un petit détail, sans doute, petit détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est en fait le fait qu'ils aient mis la couleur carrosserie. Bah, je trouve qu'en fait, ça prolonge quasiment un peu les fesses, si je peux me permettre. Et je trouve ça... Non, mais c'est, il faut que tu le dises, ouais. C'est vachement bien. Je trouve ça plutôt pas mal. Et si on regarde celle-là, en fait, pour que les gens se rendent compte qu'ils aient un petit comparatif, j'ai du mal à me... Mais quand tu vois les deux, ouais. En fait, celle-ci est incroyablement travaillée. Elle est presque surtravaillée pour une Volvo. Et celle-ci, comme on la connaît désormais, bah, elle est, au fond, passée dans le paysage. J'ai un autre petit détail, et après, je vais arrêter là. C'est cette pièce-là. Top. Ce qui est marrant, ce petit béquet qui est fait pour l'aérodynamisme, qu'on retrouve chez beaucoup de monde. C'est-à-dire que je pense que les premiers, je crois avoir vu cette pièce-là, vous me reprendrez dans les commentaires si j'ai dit des âneries. Première fois que j'ai vu une pièce comme ça, c'était sur les Lamborghini Urus. Ensuite, je l'ai vu sur les Peugeot 408. Et je l'ai vu chez d'autres constructeurs. Donc je pense que dans les carrosseries fastback, c'est vraiment la pièce qui doit te faire gagner en aérodynamisme. Parce que j'ai l'impression que tous les constructeurs utilisent quasiment, mais vraiment le dessin. J'ai l'impression qu'ils sont plusieurs à avoir quasiment la même pièce. Effet de style et tout le monde se le partage. Ça doit forcément avoir une efficacité aéro. C'est pas possible autrement. Le petit béquet, tout mignon. Les petites fleurs. On va conduire ? Parce qu'il y a les impressions de conduite. Tu commences ou je commence ? Ah bah c'est toi. Allez. Spontanément. Allez. Qui n'ont pas vu notre précédente vidéo de road trip sur le Volvo XC40. Honnêtement, l'intérieur est le même. Donc, le paysage, c'est la Suède. C'est Volvo, c'est toujours. Le volant est très agréable. C'est-à-dire qu'il est un peu plus épais que ce qui se fait normalement, tout en n'ayant pas l'épaisseur ultime de BMW. Il est très agréable en prise en main. Ce qui est marrant, c'est que moi, j'avais les sièges sur le XC40 en tissu laine mélangé. Et toi, tu as les sièges en Alcantara, c'est différent. Sachant que, précision importante, dans tous les cas désormais, l'emploi et le recours aux matériaux recyclés, c'est la priorité chez Volvo. C'est un truc... Ça va venir chez tous les constructeurs, j'ai envie de te dire, mais Volvo est le plus à la pointe là-dessus. Mais là-dessus, il y a un véritable engagement de leur part. Ah, on va digresser quand même un moment, parce que la Frandinavie, donc conjonction entre France et Scandinavie, pour dire que rien qu'en France, il y a tout à coup des endroits qui font penser à la Suède. Ici, on passe à côté du Val sans retour, donc la véritable forêt de Brocéliande, la légende, il y a des elfes, il y a évidemment les druides, enfin voilà, toute cette mythologie qui gravite, c'est par là. On s'est amusé à tester des Volvo dans des paysages scandinaves. On trouvait ça rigolo. On aurait aimé aller jusqu'à Stockholm, malheureusement. le temps ne nous a pas pris, donc on a adapté. Mais un jour, qui sait. Ouais. Et là, justement, y a aussi cette atmosphère très nature. Il fallait qu'on en parle un petit peu. Ouais. Retour à nos moutons. Impression de conduite. Le même confort, je retrouve, c'est le même freinage. Même confort que j'avais trouvé dans le XC40. Je la sens un chouille plus légère. J'ai pas bossé ma fiche, j'ai l'impression qu'elle doit... Oui, c'est exactement ça. Est-ce qu'il y a une différence de poids ? Ah ben, il y a quand même une centaine de kilos. C'est d'accord. Pas du tout négligeable. Et puis malgré tout, t'as un peu d'aéro qui est plus soigné. Ouais. Donc, aéro plus soigné, moins de poids, ça se ressent, tu sais, sur les 580 km d'autonomie. Le coupé affiche la meilleure des autonomies. Des deux. Je me permets d'accélérer un petit peu, je ne vais pas très vite, pour me rendre compte. On n'a pas moi, les 408 chevaux. Oui, j'avais un 408 chevaux dans les XC40, donc ceux qui nous regardent, là dans le C40, on a un modèle propulsion de 252 chevaux, avec une extended range de 580 km, et honnêtement, ça pousse, elle fait le 0 à 107 secondes 4 celle-là. Elle n'est pas sous-motorisée du tout en fait. C'est plutôt très bien, je vais voir s'il y a une différence de freinage. Honnêtement, c'est pareil, mais c'est logique. Le mode one pedal, je pense que toi comme moi, on l'a conduit qu'avec ça. Au plus dur. Mais... Honnêtement, c'est vraiment. Moi, je conduis qu'avec ça. Enfin, après, chacun ses goûts et ses couleurs. Moi, le mode one pedal. Essayer, c'est l'adopter. Je ne conduis qu'avec ça. Elle me paraît un chouille, mais c'est vraiment
du chouille plus dynamique que l'autre, les entrées, les prises de courbe, les entrées de virage. Ben, elle est coupée à ça quand même. Ce que j'aimerais dire, toi tu aimes beaucoup Volvo, moi... Ah, pourtant, vraiment, j'essaie de me calmer, j'essaie de rien dire. Il prend des médicaments le soir. Mais j'ai une prescription à suivre, je t'explique pas. C'est une marque que j'aime bien, mais je n'avais rien pour, rien contre. C'est-à-dire que j'étais plus neutre que toi. Là où je suis impressionné, c'est qu'en fait, je trouve du plaisir de conduire. C'est-à-dire que je trouve que cette voiture a un tempérament. C'est-à-dire qu'elle est à la fois confortable, un peu dynamique. En fait, elle est polyvalente. Je ne sais pas comment l'exprimer, désolé les amis, je m'exprime probablement mal, mais tu vois, elle est à la fois joueuse, tu vois, je mets le pied au plancher, là ça repart très bien, elle est rigolote, ça tient bien la route, tu te sens en sécurité, tu as les mêmes aides à la conduite que dans l'autre, et en plus, aide à la conduite au-delà d'avoir, parce qu'elle a aussi 5 étoiles au crash test au handicap, au-delà d'avoir toutes les aides à la conduite, nous on en essaye des voitures, et parfois tu as des aides à la conduite qui sont là, mais qui ne sont pas toujours d'un paramétrage... forcément très fin. Il y a un côté intrusif. Et là, pour moi, là, ce road trip en Volvo, alors il y en a certaines que je n'aime pas, que je déconnecterai toujours, mais je trouve qu'elles sont parfois mieux paramétrées que chez d'autres. Sur autoroute, restez avec nous. Ah ouais. Je vous fais 30 secondes dessus. Et là aussi, une fois qu'on est... Tu vas le faire un peu plus que 30 secondes, dis-donc. Non, mais quand on a apprivoisé le truc, on est hyper content. Tu vas nous en parler, on va te donner le volant sur autoroute. Allez, on va rejoindre Cédric qui va nous faire une petite démonstration de sa recharge. On fait la recharge pour les nuls, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais conduit de voiture électrique. Qui n'ont jamais su ce qu'était... Explique-nous comment ça marche. Une pompe à essence d'électricité. Alors évidemment... Bah, t'as enlevé ton cache. Bon là, il n'y a pas besoin de faire ça. J'ai enlevé mon petit cache parce qu'évidemment... Voilà, hop. Tu prends ton câble. Est-ce que tu veux que je t'aide ce que t'as là? Hop. Pro. Ici pour démarrer. Voilà. Hop. Tu mets... Tu prends l'énorme serpent. Voilà. Tu mets gentiment. On a une carte de réduction la première année avec Volvo. Ah, qui est super. Qui s'appelle... Voilà, Plug Surfing. Plug Surfing, on vous fait votre pub. On n'est pas sponsorisé, mais on vous fait la pub quand même. C'est pour nous, c'est voilà, gratos. Voilà, mais ils sont avec Volvo et, ouais, et vous avez une ristourne, 49 centimes le kilowatt au lieu de 69 la exactement première année, quand tu as la chance de rouler comme nous en Volvo. Hop, voilà. Départ. Et ben, regarde. Voilà. Vérification, préparation. Et là, on est bon. Et c'est parti, mon kiki. C'est fini. Pour que les gens se rendent compte, cette voiture recharge à 200 kilowatts. 200 kW, c'est un très bon élève. C'est-à-dire que c'est un bon score. Certaines Tesla font jusqu'à 250. 200 kW, c'est vraiment très bon. Bien. Il reste donc 27% sur la batterie. Ouais. Voilà. Ça charge à 129 kW. Il y a beaucoup de voitures connectées, c'est plutôt très correct. 191 Ah, pas de lucette. Elle était bien, toi, c'est la meilleure. 195 Ça y est, on a qui pris 1%. C'est canon. Bon, on fera le 10 à 80% en 27 minutes. Pour être honnête, c'est assez entendable. Le temps d'aller prendre un petit café. Nous, comme on n'a pas le temps, on va pas prendre un petit café, mais on va faire nos petits points intérieurs. Allez, on fait les points intérieurs. Allez. Alors, c'est tellement... Alors, j'ai mis la radio, moi, j'aime bien. D'accord. Tu vois, alors elle a basculé immédiatement. Est-ce que l'infotainment va marcher alors qu'on est en charge? Mais alors regarde, ça, c'est intéressant. Niveau de batterie, on est déjà à 30%. On charge à 177 kW. Ce qui est plutôt bien. Tu vois, c'est même la vitesse de charge, c'est 827 km/h. C'est la vitesse de croisière quand même d'un 777. Ouais, ça t'aime bien. C'est marrant. Des petits points intérieurs. On dirait l'Arizona. T'as vu ou pas? Ouais, c'est vrai. Les que différentes c'est... strates. Alors... Évidemment, ça, c'est la décoration. Mais il y a un effort de décoration sur les Volvo qui est chouette. Je vais te donner 3 points qui sont... Vous certains allez me dire... pourraient te dire que celle-là, c'était déjà un premier. Ouais, alors on va... Mais je ne fais pas partie de cela. Ok, je vais t'en donner 2. Alors, non, vas-y, je déconne. Quand elle est coupée, tu peux avoir... Regarde, tout ça, c'est sombre. Donc, le ciel de toit. Pour ceux qui adorent un peu l'esprit sportif, ils sont servis. Ils sont servis, mais malgré tout, tu as aussi ce le joli toit. Alors... Le regret, c'est que ce ne soit pas ouvrant. Évidemment ouvrant. Ce qui, pour le coup, on ne peut pas leur jeter la pierre. Quasiment plus personne fait tout ouvrant sur les électriques. Et en plus, sur les coupés, c'est très compliqué parce que la deuxième partie, tu ne sais pas vraiment où la loger. Donc, bon, allez, on passe là-dessus.
Il y a un truc, c'est que toi, tu as du cristal doré fort sur la XC40, parce que, c'est la 400 chevaux, qui est la plus puissante de toutes les Volvo ever. Hein. En vrai, c'est la plus puissante. Ici, tu as un petit pommeau de vitesse qui est pour le coup très pratique. Et c'est marrant parce que tu peux glisser des doigts comme ça, tu fais ça. Ah ouais. Et moi, ça me fait marrer. Et je fais ça. Et alors, chose qu'on n'a pas dite, mais que Volvo maîtrise très bien, c'est que le fait qu'on puisse comme ça passer, il n'y a pas d'hésitation une seconde. C'est une impulsion, hop, on est en marche arrière. Une impulsion, hop, on peut être en marche avant. Ça m'a affiché un petit écran, si tu veux bien. Tu en as déjà parlé dans ton essai routier, mais ça permet de voir la consommation. Donc là, vous avez 60 km d'autoroute. On roulait à 130. Tu étais à 20,3. C'est très correct. C'est très correct. Les gens le voient affiché. Sachant que... 20,3 kWh au 100 km, c'est la consommation. Et depuis le trajet, c'est-à-dire que depuis qu'elle existe, la voiture, elle a fait 90 heures de roulage. Sa vitesse moyenne, c'est de 55 km/h. Et elle a consommé 20,7 kWh. Ouais. Nous, on est descendu à 20,3. Et on va le dire... Mais là, on a fait que l'autoroute sur les derniers. Et sur l'autoroute, on est même là sur l'autoroute. Souvent, on entend souvent dire les gens, il faut rouler à 115, 110 pour vraiment préserver. Nous, on a mis à 130. Ouais. On a roulé exactement comme on roule tout le temps. On est même à 135. Oui, parce qu'il y a la petite marge. Soyons très honnêtes avec tout le monde. On va être vraiment sincères, on s'est mis à 135, c'est-à-dire que ça vaut du 129. Voilà. Tes autres petits points. Les autres petits points, c'est le mousset que j'adore beaucoup, l'Harman Kardon aussi. Ça, c'est quand même, c'est une vraie signature d'enceinte. C'est bien intégré, les poignées sont sympas, les contreportes, tout est recyclé. Je pense qu'on nous attend. Tu veux donner des petits points ou pas? Moi, je vais faire juste très rapide, parce qu'en fait, ceux qui n'ont pas vu l'autre vidéo, ils ont besoin aussi de savoir, globalement, le volant, il est très bon. La qualité de finition... Un peu BM, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, parce qu'il y a un chouï épais est très agréable. La qualité de finition est très bonne, mais par contre, là, ce qui est intéressant... C'est qu'en fait, là où Volvo se démarque des autres, c'est que c'est la course à l'échalote et la surenchère de taille d'écran. Moi-même, je suis geek, je dois reconnaître que j'aime beaucoup la taille des écrans. Là, ils ont mis un écran petit, parce que je crois qu'il fait 9,5 pouces, tu voulais mettre la map. La map, exactement. Il fait 9,5 pouces, malgré qu'il fasse 9,5 pouces, il est parfaitement intégré, suite Google Automotive. Donc en fait, c'est parfaitement fluide, ça fonctionne très bien et ça te permet en plus de planifier un trajet. Parce que Alain m'avait demandé de le faire. Et c'est quoi notre prochain trajet? Ça va être la conclusion. Place Vauban, il est 18h28. Qui est dans 2h39 à Paris. On y va. Là regarde. Émission d'abonnés. Et là, ça te met un arrêt. On arrivera avec 12% de batterie. Et ça nous a mis en compte un arrêt très rapide qu'on mettra 21 minutes. Ça, mine de rien, tu es vachement tranquille. Troisième petit point, parce que je vais faire vite. Cet écran-là central, c'est pour moi, en ergonomie, un des meilleurs écrans du marché avec celui d'Audi. Il est beau. Hein. Celui d'Audi avant était ma référence. Celui-là, pour moi, c'est du même niveau. En pleine recharge. On monte. On fait les places arrière. Et après le coffre. Parce qu'évidemment, comme c'est la version coupée, tout le monde nous attend là-dessus. Et vous allez voir, là, le siège à l'avant, il est reculé. Il est vraiment bien reculé. Hein. Le siège, on t'a mis en position, on l'a pas touché. Ah, moi, c'est ma position de conduite. Là, le siège, il est plutôt en mode transat, genre j'ai envie de me coucher. Et on se sent bien. Et on se sent bien, regarde, hauteur sous plafond. Ça, c'est très journaliste automobile de faire ça. C'est très... On est vachement... Alors, on est bien. Il y a même un accoudoir, dis donc. Ouais. Hop. Pour que les gens aient un repère par rapport à leur XC40, par rapport à la XC40, on a un... Comme c'est une carrosserie coupée, on a un chouille moins de place à la tête. On vous le dit, parce qu'il faut être objectif et vous le dire. Mais c'est ce qui fait le bonheur du XC40, qui est beaucoup plus familial. Moi, ça me choque pas. Après, à vous de voir, est-ce que vous préférez la carrosserie coupée, avoir un peu plus de place à l'arrière? Moi, je ne saurais pas vous démarrer. C'est entre style et volume supplémentaire. Il y a un truc quand même que j'ai noté, c'est la rétrovision. Ça, par contre, pour le coup, c'est un... Autant pour moi, les places à l'arrière, c'est un faux défaut, il y a une dizaine de centimètres. Effectivement, il faut l'apprivoiser. Oui. Parce que quand tu arrives du XC40, tu as l'impression d'avoir un immense écran large derrière toi, tu vois tout. Et quand tu passes dans le coupé, tu as un angle de vision plus réduit. Ah oui, c'est un peu plus restreint. Voilà. Hormis ce truc-là, il n'y a rien à dire. Quoi. Moi, je ne saurais pas trancher. On va voir le coffre quand même pour que les gens se rendent compte. Mais là, tu as vu pareil, dans les contreportes. Oui, c'est habillé. Nouveau, là aussi, c'est moussé. Là aussi, c'est super moussé. Parfois, les contreportes arrière, on dit qu'elles sont les parents pauvres. Ça n'est pas le cas. Hop. Alors, je vais essayer de t'ouvrir le coffre, malgré le câble. Avec l'énorme boa qui nous... Voilà, hop, coffre électrique, c'est toujours bien. On a acheté un peu de pain. T'as acheté ton pain pour ce soir, je n'avais pas vu. C'est pour ma femme, c'est pour Cécile. Parce que la boulangerie était super bien. Voilà. Celui-là, c'est 419. Celui-là, c'est 413. Sachant que tu as malgré tout une vraie petite... Hein, t'as un immense tiroir.
Pour ne pas dire une malle supplémentaire. Mais pour le coup, entre les deux, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Et par contre, pour la catégorie, c'est dans la moyenne. C'est très bien. Sachant que tu peux, là ici, tu es quasiment au plafond, tu vois, quand tu es sur la plage arrière. Toi, tu as un étage supplémentaire. Tu as un frunk aussi, viens, on va regarder si tu veux. Ah oui, on va regarder, c'est bien ça. Hop. Et voilà. Ah, mais là aussi, on peut en mettre des petites choses sympathiques. Et on peut notamment mettre le câble. Alors, ce qui est toujours marrant, c'est qu'il y a une feutrine ici. Ils auraient pu se dire, tout est bien fini en plastoc. Mais non, pas du tout. Les joints aussi, regarde. C'est bien foutu, hein. Bon, on va regarder où on en est. Ah oui, bah tiens, ça va être marrant de savoir. Hop. Allez, en quelques minutes, combien on a pris? Donc là, on a fait quoi? On a fait 6 minutes? On est à 54%. Et on était On était à 35 quand et on a mis? Et on était à une... ouais, même à 20 et quelques. Hein. Ah oui, non, t'as raison, 9 minutes. C'est... On continue la route et on va faire un petit café. Et après, on va faire notre conclusion à Paris. Il faut que je te montre absolument les aides à la conduite. On vient de finir de recharger, le temps de prendre un café, on a passé 20 minutes. T'as vu le velouté des 6 cylindres, hein? Ça tient génial dans les courbes, moi j'adore. Ouais, c'est vrai qu'elle tient bien. C'est super. Tu nous fais une petite entrée dynamique. Ah oh bah, il faut s'insérer, c'est la phase d'accélération. Alors, tes impressions de conduite? Alors, regarde. Je te mets sur le... Ah bah déjà, conduite... Moi, tout le temps, les ADAS. Les aides à la conduite. Les deux mains évidemment sur le volant, j'ai exagéré, je les ai enlevées pour vous montrer qu'elle est capable de mettre le bon angle au volant. Si je peux me permettre, c'est que les aides à la conduite souvent parfois sont pas forcément bien calibrées, je l'avais déjà dit, sur celles-là elles sont assez bien calibrées. Et elles peuvent te paraître intrusibles, et notamment les changements de direction, la remise dans le droit chemin peut se faire avec des légers coups de volant qui sont désagréables, et certains se disent mais attends, je coupe tout, je n'en peux plus. Là, tu as une voiture qui est nickel, vous allez voir la courbe va se présenter. Elle va mettre pile l'angle qu'il faut. Et tout doucement. Là, je le tiens gentiment. Hop, c'est elle qui tourne toute seule. Je ne tiens rien. J'ai pas les... Mmh. Et elle fait tout nickel. On est à 130. Là, qu'est-ce que c'est? C'est parce que justement, j'ai pas assez de pression. Mmh. Donc, elle tu vous rappelle... Tu dois remettre les mains sur le volant. Parce qu'évidemment, on t'impose d'avoir les deux mains sur le volant. Et c'est toi qui es responsable de tout. Ensuite, et ça arrive à bon escient, il va y avoir un camion. Oui. Donc là, si on veut régler... la distance avec le véhicule qui précède, on peut ajuster ici et mettre un peu plus de distance avec le véhicule ou un peu moins. Moi, je règle toujours au mieux, c'est-à-dire le plus proche, parce que sinon, tu as l'impression d'être à une distance très, très longue. Là, elle va repérer le camion, vous allez voir. Elle va même baisser sa vitesse. Hop. Donc, on va se rapprocher. Et comme j'ai réglé la distance au plus proche, là, ça y est, elle freine d'elle-même. Là, je mets mon clignotant. Elle passe à gauche et elle réaccélère d'elle-même pour revenir à la vitesse indiquée, aux 130 km/h. Après ces 3 minutes sur les aides à la conduite, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la voiture? Direction. Est-ce que tu entends quelque chose? Même à 130 km/h? La sonorisation, oui, c'est très bon. Hein, c'est très bon sur l'autoroute. Oui. Alors tu me diras, c'est aussi le cas sur le XC40, sauf que nous, on a une aéro un peu meilleure, donc j'ai envie de croire que l'insonorisation est un peu meilleure. Ah, c'est marrant, moi je trouvais l'inverse. Ah bon? Oui, j'avais l'impression que la sonorisation était... Comme quoi? En vrai, c'est difficile à juger, en tous les cas c'est très bon. Hein, c'est vachement bien. Ouais. Direction, tu aimes bien? Moi la direction, écoute, je la trouve précise, sympa, il n'y a pas de... Je l'ai calibrée comme toi au plus... Ferme. En fait, pour donc que les gens comprennent, dans la première vidéo, moi j'avais dit qu'en fait, tu as deux modes. T'en as un où la direction est beaucoup plus souple, un peu exactement. Plus chewing-gum, et un où elle est plus ferme. Et moi, j'avais adoré la direction ferme. Et donc, du coup, toi, tu as pris le pli aussi de la mettre en mode ferme. La lecture des panneaux, là, il y avait des travaux, elle est descendue à 90. Oui. Là, hop, elle a repéré qu'effectivement, on était en fin de limitation. C'est pour ça qu'elle accélère et elle reprend ses 130. C'est quand même bien la techno. Conso? La conso, on est un tout petit peu plus. Regarde, c'est là. Mmh. On est à 20,5 kW.
sur les derniers trajets. On a fait 60 km/h. On a fait que de l'autoroute. On a fait beaucoup d'autoroutes. C'est le pire pour une voiture électrique. Et je vais quand même vous montrer parce que c'est quand même les assistances sont sympas. Là, on est dans une côte, c'est la consommation instantanée. En moyenne, on vous l'a montré, on est en dessous de la vie de la voiture qui était quand elle a commencé sa vie. Elle était presque plus proche de 21, nous on a réussi à un peu baisser. Et là, sur l'autoroute, on est à 33, mais 33 instantané. Pour et dans une grosse côte. Pour que les gens aient un comparatif, j'ai l'impression qu'on va avec le XC40, je fais 0,5 à 1 de plus parce qu'elle est 100 à 150 kg plus lourde. Voilà, exactement. Pour le reste, c'est quand même une sacrée voiture, quoi. T'as Google, qu'est-ce que tu veux demander de plus? Est-ce que tu aurais un défaut, une critique à lui trouver? Alors toi, il y a sans doute la rétrovision. Moi, j'aime beaucoup, donc on va dire, ouais. Je suis biaisé, ok, c'est vrai. Et pour le coup, moi qui ne le suis pas. Non, mais j'ai adoré cette voiture. Il faut le dire, moi j'aime les Volvo, donc évidemment vous attendez pas. Mais la rétrovision, regarde, si tu peux mettre la petite GoPro, on va tout de suite comprendre, je pense, à l'image. La vitre arrière, le haillon derrière est très incliné et par conséquent, la rétrovision, c'est pas la meilleure rétrovision du monde. Moi, ça m'a pas dérangé perso quand j'ai conduit. Il n'y a pas du tout de. Mais toi, ça t'a pas dérangé, c'est juste histoire. Ça m'a pas dérangé. C'est moi qui te force à faire une critique. En fait, le contraste, on se le fait parce qu'on a les deux voitures. Ouais, t'as fait. T'as l'impression d'avoir un écran géant quand tu regardes derrière. Oui, derrière, c'est assez. Bon, on continue notre périple et on va faire notre petite conclusion. Place Vauban à Paris. C'est chez nous. C'est chez nous. Allez, on y va. Quel périple, 1000 bornes. 22h30. Hein. C'est quand même bien formidable, vrai. Le rendez-vous des abonnés, évidemment. Alors, c'est 40. Place Vauban. C'est 40. Écoute, hyper rassuré. Je m'attendais, tu sais, avec les électriques, à me dire, zut, un périple aussi important, on va patienter devant les bornes et tout. Rien, aucun problème. Pour que les gens vous rendent compte, on a fait 1000 km en deux jours. Ouais. 580 et 570 km, ben c'est largement ce qu'il faut. T'es peinard, tu peux te faire des vrais longs parcours. La preuve, on est revenu. Mmh. Et tout ça en allant en Scandinavie. Bon alors, et là, c'est 40 conclusions. Tu aimes, tu aimes pas, validé, pas validé. Toi, t'es devenu Volvoman, donc on va dire. Non, mais alors, c'est un peu sûr que tu aimes. Je me tais, mais je vais juste montrer quelque chose. Ah, oui, on l'a remarqué tous les deux. Parce qu'en fait, on n'avait pas vu à la lumière du jour. Vu les strates de l'Arizona. Oui. Normalement, c'est noir. C'est quasiment du sable. Et là, ça s'éclaire. Et ben en fait, c'est joli. J'ai la même chose. T'as la même chose, c'est plein de petites particularités. C'est des jolies particularités. Les petites lumières aussi qui éclairent tout ça. Bon, au final, nous n'aurons pas le poisson. Tu valides pas. Moi, je valide. Et alors, il y a. Pourquoi tu vois, tout le monde avait compris que tu avais validé. Au-delà du fait que je suis Volvoman, le confort, c'est des vraies autoroutières. Oui. Et c'est des autoroutières en plus 100% électriques. On a roulé à 130. Vous regarderez encore. Ah ouais. On était à 130. Donc, on ne s'est pas dit, oh là là, il faut absolument qu'on fasse de l'écho. Non, non, on a fait ça nickel. Bah, et si tu devais choisir C40 ou XC40? C'est la question qu'on s'est tout le temps posée tous, même avec Alain, laquelle on prend. Moi, je pense que toi, tu prendras la C40, non? Ben, moi, je prends le C40 parce qu'en fait, j'adore la liberté de design. Ouais. Elle est amusante. Je suis partant pour ça. Après, non, peut-être que je vais te surprendre. Même avec les 408 chevaux, c'est génial. Ça va très vite. Par contre, on va être d'accord. Moi, je prendrais l'Extended Range. Mais l'Extended Range, normal, chevaux, elle est super déjà. Tout va bien. Ça accélère suffisamment. Tu n'as pas de problème. On part avec ça. Et la vie est belle. Et puis si ceux qui ont un peu de sous, bah, les 408 chevaux, t'y vas, et t'es tranquille aussi. Ma conclusion, moi je vais aider personne entre la C40 et la XC40, je ne sais pas choisir moi-même. Ah bon? Parce qu'en fait. On peut te demander les couleurs. Parce qu'en fait, j'aime bien l'arrière du coupé, mais j'aime bien voir le toit ouvrant. Donc du coup, je ne sais pas trop choisir. Par contre, comme ça toi. Ça peut être décisif. Ouais. Extended Range, en fait, pour moi, c'est suffisant. Ça me permet d'économiser un billet. Alors après, si tu as ce billet-là, la 408 chevaux transmission intégrale, c'est très bien. Vraie bonne surprise au final, parce que les deux sont très ressemblantes, soyons très honnêtes. Moi, je ne m'attendais pas à autant les apprécier. Parce que je ne suis pas autant Volvoman que toi. Que moi, je suis. En vrai, c'est des voitures qui ont eu très bonne presse. Ouais. La critique, globalement, était assez unanime sur ces voitures-là. Les défauts qu'elles avaient, c'est pas suffisamment d'autonomie. 200 kW de recharge, 570 km, 580 km d'autonomie. Honnêtement, c'est top. Et même la version bas de gamme de celle-là n'est pas inintéressante. Ouais. Parce que souvent, on n'a que des hauts de gamme. Ah, mais même la version bas de gamme est pas et mal. Et elle est bien équipée. Donc ça, c'est des vraies routières. Ouais.
C'est des trucs qui t'emmènent très loin. Et c'est passionnant. Les amis, ceux qui n'ont pas vu le premier épisode du Road Trip, allez le voir. Si vous aimez, mettez un petit pouce bleu parce qu'en fait, on a besoin de savoir. Pour nous, ces road trips-là, ça prend plus de temps, un peu plus d'organisation, etc. Dites-nous si ça vous a plu et un petit pouce bleu de soutien. La bise à mamie, on s'abonne. Puis nous, on va quand même un peu se coucher parce que là, on est un peu fatigué. Et laquelle vous choisissez surtout? Ah ouais, dites-nous laquelle vous choisirez en commentaire. Ça nous aidera tous. À très vite.